Bonjour, c'est Alex Ramirez. Alors, si vous me retrouvez dans cette ambiance bucolique et forestière... Oh, un chamois. Oh, une marmotte. Oh, un cadavre. On va peut-être s'éloigner du coup, hein. Ouais, allez. C'est parce que je vais vous parler du clip de Tal, Are We Awake? Sommes-nous réveillés? Ah! Oui, on peut y aller, c'est bon. Sommes-nous éveillés? Are we awake? Are we awake? Time to wake up right now. Alors moi déjà, autant vous dire que je suis très content parce que pour une fois, j'ai tout compris à ce clip. Hein. D'ailleurs, je voulais en profiter pour féliciter Tal. Bravo d'avoir mis à l'honneur une profession, ma foi, assez méconnue, puisqu'elle interprète ici une agent d'assurance. Je suis agent d'assurance. Qu'on voit alors déambuler dans différents lieux d'accident pour administrer son expertise et trouver un petit peu la cause des dégâts. Alors ça commence avec un sacré carambolage dans une forêt. Alors on sent que l'accident date pas d'hier, hein. Je pense qu'elle a pris son temps pour venir. Attends, les types de l'assurance, on les connaît. Hein. Moi je vois, j'ai un pépin avec la porte-fenêtre de ma véranda. Histoire de double vitrage en fait, c'est que j'ai appelé la semaine dernière. On enchaîne? Ouais. Alors elle arrive avec sa belle parka à la Colombo, hein, prête à résoudre cette grosse enquête. Est-ce que c'est le carburateur, les plaquettes de frein? Elle furette à la recherche de preuves, toujours prête. Écoute, tac tac, indices. Et alors ça tombe bien puisqu'un automobiliste surgit des fourrés. Je pense que son impact était pas plus gros qu'une pièce de 2€. Il s'est dit, j'ai pas envie de payer la franchise, je suis malin, je l'attends et je vais tout lui expliquer. Mais visiblement il tombe au mauvais moment, hein, puisque Tal est en pleine pause. Pouh, crevé. Hein? Coucou. Ouais, bah on passait dans 2 heures, moi je suis crevé, allez. Je peux pas continuer comme ça? Ah non, le bonnet je l'avais. La journée de notre working girl continue, hein, puisqu'on la retrouve en train de gérer clairement un gros dégât des eaux. Et il en reste pas grand chose de la baraque. Hein. Bien Tal ne rechigne pas à se mouiller pour trouver le fin mot de l'histoire. Oh putain. Même si je pense, à mon avis, qu'on est sur un problème de canalisation. Ça doit être des cheveux longs qui ont dû boucher le siphon. Moi je vois d'ailleurs une fois, je me suis rasé dans le bidet de ma belle-sœur. On enchaîne, ouais. Non, là je vous jure j'étais comme ça. Je vous jure, je m'en fous, j'enlèverai pas. Mais j'ai... Théorie de l'inondation qui se confirme avec l'apparition de Madame la Sinistrée, alors qu'elle, visiblement, tranquille, hein, sort de son bain, on sent que c'est pas elle qui va payer, quoi. Tal, pour le coup, beaucoup moins détente. Elle aurait pas pu fermer le robinet pendant qu'elle s'est brossée les dents? Professionnelle et investigatrice jusqu'au bout du maillot, elle en vient même jusqu'à vérifier l'état du piano. Splash up! Je serai jamais prêt pour le concerto, c'est pas possible. Allez, on reprend. Du coup, après cette matinée à Crobranche et cet après-midi en plein Marineland, bien Tal rentre enfin chez elle, un bras fatigué, et là, catastrophe, elle découvre sa salle de bain dans un état de poussière innommable. Là, moi, ça me fait penser, une fois j'ai renversé de la terracotta dans les sanitaires pub... Ta gueule? Pas faux. Elle qui voulait se délasser s'est râpée, les nerfs reprennent le dessus. Et qu'est-ce que c'est que ce bordel? Conjoint n'a rien foutu, il se réveille à peine. Ça a bardé dans les dunes. On assiste donc à une belle scène de ménage. Voilà rendu à ramper à ses pieds pour se faire pardonner. Eh mes chéris, j'ai pas eu le temps passé. Casser le sablier, j'en ai mis partout. Ouais. Gros sablier quand même. Quant à Tal au final. Tiens, c'est marrant à dire ça. Quant à Tal. Tal, tu vis dans le Cantal? Non? Bon bah, change de région alors. Pas la meilleure. À force de demander si on est bien réveillé, à la fin de son clip, elle a plus qu'une envie, hein. Celle d'aller se coucher. We'll wait, time to wake up right.